Nous avons invité l'Assemblée à, Assemblée à capab ouvrir Bible avec nous. Juste avant, nous prier sur l'offrande Bibou. l'Église camper pour nous faire ça. Si toutefois, ou pas occupé. Seigneur, nous te remercions maintenant pour l'adoration et pour l'opportunité pour nous offrir au matin. Et du même coup, pour nous adorer, lève-nous et vous vous aussi avec sa à nous sommes capables de bénir nous davantage parce que nous sommes capables de contribuer à notre travail pour l'expansion de ton évangile. Nous sommes capables de bénir moment moment côté nous camper pour dire si par l'éternel. Et nous sommes certains audio va utiliser nous parce que le peuple a, a besoin de paroles, non seulement si y qui est dans le sanctuaire, mais si y a des services garder service, faire provision pour eux. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons invité au matin au Vibibou, c'est dans le livre de Joël. Joël, l'un des petits prophètes, le chapitre 2, et nous allons considérer deux versets. C'est le verset... 28 et 29, 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Uh, and also kapab tounen bibou nan in the book of Acts chapter 1 verse 8 nan Acts chapitre 1 verset 8 Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem à Jérusalem Dans toute la, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après les dix paroles, ça les levait pendant que montait dans le ciel, pendant que j'ai abgadé et j'ai était séparé. Que le Seigneur bénisse pour notre édification. Seigneur, mes peuples, livre les temps de Kishoye. Ils veulent parler avec nous. Mathéon en prié nous. Nous parlé avec vous. Et qu'on moment arrivé pour parler avec nous. Parlez, serviteur, servante, avec vous, on a au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez encore, nous présenter cette sympathie au nom de la Première Église, aux membres de la famille Seyon, nous connaissons hier, qui était par exemple, capable de rendre dernier hommage avec la soeur Soivénie qui est devant nous, nous devons encore encourager les familles par la prière, prier pour eux-mêmes, parce qu'ils sont capables de consoler ici que les enfants de la défunte. Donc, nous euh, connaissons chaque fois la mort, par exemple, pas frapper pour les Chaque seconde, nous devons mourir. Si c'est n'est pas même pendant que nous avons la joie qu'on y a, monde qui a crié qu'on y est. Vous voyez ça? Pendant qu'on donne un temps plein, il y a des gens qui ont pris la vie. Combien de gens qui vivent en matin? Levez-moi, devant leve vous bon Dieu. Si vous êtes en si vous êtes en si vous pouvez encore chanter, si vous pouvez marcher, si vous pouvez parler, vous devez prier le Seigneur. Parce que si vous avez fait ça, il y a des gens qui sont trop connus à le faire. Et il y a même des gens qui recevront des nouvelles. Et les nouvelles, ça va faire que les gens perdent la tête parce qu'ils n'ont pas fait de tristesse. Et pendant ce temps-là, on met les en présence, bon Dieu. Et pour ça, mon Dieu, fort, on vient là, on vient pour adorer le pas de les gens qui ont une tristesse dans leur cœur. On dit, mon Dieu, merci pour chaque famille qu'il a Jusqu'à présent, nous là, Amen. Nous comptons chaque membre de l'église qui l'a matière. Nous Donc, on est chaque mois, eh bien, dans la première église, nous une opportunité pour nous capables de prêcher sur un thème. Oui, oui. Well, Laisse-moi. Last oublier qui qui que si j'ai à prêché oui? Hein? La double nature de Jésus. Et nous te font coup de coup pour nous rentrer directement dans la résurrection de Jésus. Ah ouais. et matin, quand on parlait de son plaisir pour la première église, non seulement parler de Jésus, mais aussi et ce matin, nous avons euh, un nouveau thème qui est la promesse du Saint-Esprit. Donc, euh, nous avons chance d'aller profondément dans, et voir la troisième personne de la Trinité et connaître en profondeur. pendant... Euh, moi ça, si le Seigneur permet de prédicateur dans l'église là, amen. Et que ça nous va bénéficier. Lui. Donc, euh, Matthieu, nous connaissons Joël. c'est un nom, petit prophète. Tu. Euh, mais bon Dieu t'est parlé avec lui et nous capables de dire Joël. Il y avait des prophètes pré-pré euh, qui signifie un préfixe signifie avant et le mot poste euh, » qui signifie après il y a des prophètes que le Seigneur parlait avant et après avant la déportation du peuple israélite uh, 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 en Babylone et Gaël lui parlait just before and after there are a before prophètes uh, they 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 went to uh, uh in Babylon, uh, but there God spoke also to the uh, prophet after um um their return from Babylon so that's why Joël est part of one of them that we call the post exilic prophet, or post -exilithic. Donc, tant que Jérémie c'est pré exélitique um, ou avant l'exil ou après l'exil, ok? Donc, Matthéon, nous parle directement puisque Joël parlait et d'autres prophètes parlaient. Matthéon, euh, le thème que nous va apprécier, c'est of the Holy Spirit euh, ou la promesse du Saint-Esprit. Dans le livre de, de Joël, Joël dit Après, il a connu d'un moment difficile. Après nous finir repentis, après nous quitter péché, restaurez-nous et map eh bien ban nous l'esprit à gogo. Peut-être Matthieu, nous pouvons le garder dans l'introduction, nous. C'est un privilège pour nous pour nous parler du troisième personnage ou la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Au cours de ces mots ça, nous parlons ensemble l'unicité des testaments. C'est-à-dire both, the Old and the New Testament are united. Donc, le côté unis ensemble, il y a qui dit la prophétie est capable de dire dans l'Ancien Testament et elle est capable d'arriver vivre accompli dans le, dans le Nouveau Testament. Et la prophétie peut être on dans Old Testament et pour la fulfill dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la prophétie, ça, est, elle est par Joël. Et le livre de Joël, il écrit euh, environ entre. Euh, entre 8, 8 et 9e siècle. C'est un petit livre qui gagne seulement 73 versets. Et qui gagne seulement 73 versets. Et première, il parlait d'un appel à la repentance. Deuxièmement, il parlait de la promesse euh, du Saint-Esprit. Et troisièmement, il parlait de la future délivrance. Au jour de l'éternel. Mais Mathéon, première question qui est pour nous poser, pas qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un pour nous naître, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Et on dit c'est la troisième personne de la Trinité. Et Mathéon, pour quelque écrivain. L'esprit qui est un mode d'action, c'est-à-dire l'esprit, c'est un mode d'action et une influence. Je dis que c'est une action symbolique, créative de Dieu pour certains écrivains. Mais même Moïse là, il traduit « Mosa » par « souffre ». Et nous regardez le mot « où dans le mot hébreu euh, Lorsque Dieu créa Adam, et eh bien, Dieu souffle là dans la narine d'Adam, de, de, et automatiquement, Adam est un être vivant. Mais cependant, cet esprit, c'est Dieu qui est parce que dans Genèse chapitre 1, verset 26, là, que, où Dieu dit à son conseil, faisons l'homme à l'image, et à ressemblance. C'est-à-dire, là nous jouons dans Genèse chapitre 1 le mot El qui signifie « fort » et l'Oïm du pluriel qui signifie « Dieu créateur » qui inclut Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Matthéon, nous voulons aller est pas une force, liés seulement, mais ils sont personnes. Et cet esprit-là, il était sélectif. Et Matthieu n'a pas raconté pour nous dans l'Ancien Testament. Et avant que nous rentrions dans le Nouveau Testament, il faut que nous allions dans l'Ancien Testament pour nous raconter le Saint-Esprit à toi. Il était à la création, mais après ça, nous pas ouais, trop gros mouvement le jour de la bonne route. Mais où était le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il faisait D'abord, dans Genèse chapitre 1 verset 2, si, si, si vous voulez ouvrir avec nous, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 2, cet esprit est participé dans la création. Qui ça le fait? Eh bien, nous allons le garder ensemble matin pour nous capables de voir là. Il dit La terre, le troisième euh, et deuxième verset, euh, il dit La terre était informe, ou le mot toi-boi, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La, de et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cet Esprit, mon Dieu, t'a pu contrôler la nature. Il était présent. Mais cependant, il n'a pas agi Et même Jean-Joël t'a dit, lui, et finalement, In Acts chapter two, we read accomplishment prophesied. descend tout Who is the Holy Spirit? It is the third person of the Trinity. He was in the beginning. He was also, also the Creator. And verse, the second verse of Genesis chapter one said, He was above of the water. It was there. And more than that, God give the Holy Spirit plus que ça, cet esprit, bon Dieu te bâche cet esprit à des hommes privilégés qui t'y occupent, qui t'y occupent, yon fonction pou bon Dieu. L'hypothèque ou tout le monde quel te y est jeudi a, kakou nou tout recevou ali. Mais ce moment, non, Jean, an nou mbezou avèk mwen matéan, et soit pre un autre ou ka pre un autre, parce que, mais, sous la plume de de Jean au chapitre 14 Jean chapitre 14 et 16 passage c'est clé du discours Jésus-Christ quand il parlait de ça nous regarder dans Jean 14 verset 26 avec moi Jean 14 John chapter 14 verset 26 Jean 14 verset 26 mais le consolateur verset 25, non Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit oublié, juste avant l'ascension de Jésus, il parlait, il fut des temps que Jésus parlait en parabole. Mais juste avant, après sa résurrection, et même avant sa mort, il parlait directement à Disciples pour faire connaître sa capacité de vivre. Jésus dit, I am going to my father. He will send you the comforter. He'll be with you. Even though I am not in this body with you. But the Holy Spirit will come. He'll be there with you. He'll be in you. And he will be. Always be with you. Li di, Mem si m pa la, Mem moun ke papa ap voye ya, Nan nou mwen, La avek ou. Amen. Non solman la pa avek ou, Men la enseye ou. Sa fe m kopren se te espri ya, Li enseye pitit li yo. Li enseye moun ka cheshe, Lo ouvri la bib, E non solman, Li se espirater. Paske, Dans de Timothée toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. La Bible est privée d'erreurs parce que est supervisé, à cet esprit-là. Là, là ce n'est pas pour nous net. Et dans Jean 14, dans Jean 15, verset 26, là, tout le pour nous. Il dit comme ça Quand le consolateur sera venu et je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi C'est qui C'est il, ce pronom personnel n'est autre que le Saint-Esprit. Lui au S'il c'est au monde, ou qu'on tout. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. Il montre nous, nous ne pouvons pas attrister cet esprit. là Dans les Thessaloniciens, Lui montre aussi, nous sommes capables, nous capables, nous capables de cet esprit. C'est tellement cet esprit. Il ne sait personne. Il agit dans nous. Il rétient dans nous. Oh! Non seulement dans le temps passé, dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne annonce, dans l'ancien dans contrat, le Saint-Esprit était sélectif. Nous allons regarder le talent. Qu'est-ce que dit le Nouveau Testament du Saint-Esprit? Et même titre que bon Dieu gagnant, hein, c'est même titre ça, c'est même essentiel. D'ailleurs, non, Jean lui dit, Dieu lui-même est esprit. Jean 4, verset 24. Il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, un esprit n'a ni chair, ni zo. Il est l'esprit. Parce qu'on pas qu'à toucher. Et pour Jésus, il était... Dans l'esprit, il y a un temps, mais il faut que tu viennes un homme. et pour capable de un il faut le passer par Marie. Qui ça le dit? Nous avons dit que cet esprit, non seulement dans l'acte chapitre 3, nous sommes en histoire d'Ananias et sa fille -là. nous avons gardé l'ensemble dans l'acte chapitre 5, nous garder l'ensemble, non? Nous devons toujours venir là, pas venir demain vide. C'est pour nous toujours qu'il y dans la main. Parce que nous venons apprendre Chaque membre l'église là. Et pour venir là, il faut que un cahier dans la main. Ou dans l'école, il faut qu'il y cahier. Ou à prêcher. C'est pour qu'il cahier. Parce que même moi, je ne suis pas fidèle assez. Vous Non Il faut que ça un petit problème. Hein. Et de le mettre off pour moi. Je vais Pierre, verset 3. Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et tu es retenu une partie du prix du champ Donc, ça veut dire que. Ou pas qu'à mentir. C'est avant le monde a menti. Ou pas qu'à mentir avec cet esprit. Parce que lui connaît tout le Parce que nos manœuvres, manœuvre, nous, nous comprenons que nous sommes intelligents. Assez. Et je cet esprit. -là. Et Jésus emploie le, 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 le pronom personnel masculin il et Keynos. Qui ne peut guère décrire une simple influence, mais une personne. D'autres textes dans le Nouveau Testament, qu'il est impossible de mentir au Saint-Esprit, selon acte chapitre 3, verset chapitre 5, verset 3. On peut l'attrister, indique clairement c'est une aide personnelle, Ephésiens 4, verset 30, c'est-à-dire la description de son œuvre, sa relation avec nous et les allusions à sa manifestation. Tout implique l'intelligence, volonté, existence individuelle qui sont les caractéristiques d'une personne. Cet esprit a non seulement, il avocat, non Le consolateur, mais aussi lui, c'est consolateur. Lui qui nous non Parce que, certaines fois, nous sommes tristes dans la vie, non Nous avons souvent marché triste dans la vie, c'est l'homme gagné. Mais là, nous prochains Saint-Esprit a venu remplir nous, il chasse tristesse-là. Amen. Le Saint-Esprit, c'est source illumination Pour comprendre les Écritures, d'abord, il faut inviter Saint-Esprit pour l'illuminer. Ouvrir les yeux. Amen. Ouvrir le cœur. Pour comprendre les Saintes Écritures. Il est sous illumination. Il est aussi celui qui enseigne et celui qui sanctifie. Cet esprit a l'illumine que nous. l'enseigne nous et il sanctifie nous. Ça veut dire non seulement cet esprit a recevoir, quand on adorer adoré le Père, on adorer adoré cet esprit à recevoir l'ouange avec adoration. Amen. au même pied d'égalité avec le Père, au même pied d'égalité avec le Fils. Parce que il y a la même essence, il y a fait même lait, il y a pas de péché dans lui. Sois être parfait. Et c'est ça cet esprit là Dans Matthieu chapitre 28, il dit, nous dit, le corps du croyant est décrit comme étant son temple. D'après 1 Corinthiens 3, verset 16 là. Oh, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Il dit, ne savez-vous pas dont tu sais, que your body is the temple of God. Not only the body, uh, our body is the symbol of God, but the Holy Spirit dwells in us. Le Saint-Esprit demain habite en nous. Ça fait actionnaire, capable de Là, Nous continuons à faire le même bagage. Et eh bien il retire de nous. Qu Qu'est-ce le Saint-Esprit? Dans l'Ancien Testament. D'abord, si nous regardons dans le Nouveau Testament, où cet esprit? C'est le même bagage qu'il a été toujours fait. D'abord, œuvre-lui. le cet esprit régénère. D'après. Si vous parlez peut... pas né de l'esprit, ou pas qu'à le royaume de Dieu. Li, et, et encore permettre que la nouvelle naissance de new in Christ. Et permettre que nous sommes capables d'agir de la sorte. Mais non seulement, li régénérer nous, li habiter dans nous, li remplir nous, li restreindre notre nature pécheresse, il nous est capable de servir. Il dire, le monde, c'est cet esprit, bon Dieu, qu'il faut observer, bon Dieu. Amen. Mais quand tu as quoi, ou dit quitter ça depuis là vous allez pour servir mon Dieu C'est cet esprit pour Dieu qui agit et acte en vous. lorsqu'il est désir pour le ciel là Encore cet esprit a fait un travail spécial en haut Parce qu'il est motivé pour servir mon Dieu. Tandis que croix a retiré mais cet esprit a activé. Mais nous rejoignons dans la nouveauté testament le césament. Premier aspect de l'esprit, c'est... Hein, Ou l'esprit, c'est participation dans le processus de régénération. Eh bien, c'est la renaissance. La C'est-à-dire, la vie encore. Nous parlons de Jean 3, verset 3. Dans l'Ancien Testament, lève cet esprit. -en. Eh bien, dans Jean 3, verset 10, là, on dit un bagage. Jean 3, verset 10. On nous regarde l'ensemble, non? Dans Jean 3, verset 10, là. Ces conversations que Jésus t'a gagnées avec uh, M. Eh bien, dans le verset 10, il dit, très fort que moi, il m'avait donné d'attention, il dit comme ça que Jésus lui répondit tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Mais tandis que, au verset deuxième de ce même chapitre, Qui vient, lui, auprès de Jésus, Nicodème, au verset deuxième, lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce, ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, en vérité, malgré connaissance que eh, 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 ce, ce docteur de la loi, gagné, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et même, il dit, comment yon monde capable de fait encore une deuxième fois, s'il est déjà vieux déjà, s'il est déjà sorti dans votre moment, il a parlé de la nouvelle naissance. Si on monde n'est pas né de nouveau, il a pas qu'à rentrer dans le royaume des Dieu. Mais, encore, l'éternel, ton Dieu, si nous gardons nos... Dès verset 6, l'éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui te donnera de ton âme afin de vivre. Dans Jérémie, dans Ézéchiel 26, nous jouons que chapitre 37, 26, encore, cet esprit agit agi, lui, lui fait la circoncision de cœur. Pour les enfants d'Israël, il y a des de corps. Mais l'Esprit de Dieu fait la circoncision de cœur. Amen. Et les bon Dieu rentrait dans la vie où cet Esprit bon Dieu-là lui changeait cœur. Amen. Lui transformait cœur. Lui changeait la vie, mon. Et Paul lui vend bon, la lui si je vis maintenant, amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En outre, c'est l'Esprit de Dieu qui repose en moi. Est-ce que l'Église à là? C'est l'église qui a dormi matin. Donc, on même un petit bagage là. Si vous commence à dormir, on va demander à toute l'église prier au campé. Amen. Amen. Veillez les gens qui sont en côté là. S'il ne peut pas dormir, qu'on va le faire Donc, cet esprit, hein, ma pratique est rapide parce qu'il euh, est déjà arrivé. Mais, mais on regarde, nous t'avons dit, le cet esprit, il était à des hommes. Qui t'est occupé de hauts fonctionnaires de Dieu. Il n'est pour tout le monde. Mais Dieu pourra changer les choses. Amen. Non, l'Esprit de Dieu t'est descendu sous Josué. Qui est Josué? L'Esprit de Dieu était à Moïse. Dans Josué, dans Nombre 27, verset 18, il était à Josué. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 12-13, il était à Samuel. Josué, Nombre 27, verset 18, à David, 1 Samuel 16, verset 12, 13. Il te baille à Saül également. 1 Samuel 10, verset 10. Mais, laisse bon Dieu baille au monde cet esprit. Il a retiré n'importe là. Et nous avons parmi les qui, était pas monde qui à Samson également. Et puis il a retiré. Et il a bagaille dans tout le monde qui a parlé à Saül, le Seigneur a retiré l'esprit. David criait dans le somme, 51, il dit, Seigneur pas retiré l'esprit. Il était par des hommes, des prophètes, pour diriger le problème. Il va à Gédéon dans juge. Mais après, il a retiré parce que... Il était sélectif. Sélectionné un groupe de monde qui occupait fonction pour bon Dieu. Moïse, l'esprit bon Dieu était sous lui. Dans Juge 6, verset 34, l'esprit bon Dieu était descendu sur Gédéon. Dans Juge 11, verset 29, il descendu sur Jephthé. sous divers juges sous Samuel Monsieur Samuel c'est un juge qui est, il te il recevoir cet esprit mon dieu l'esprit bon dieu descend sur personnage pour rendre capable accomplir une tâche particulière L'inhabitation une habitation était un signe de faveur de dieu dans le cas de David et cette faveur c'est L'esprit quittait la personne comme c'est arrivé à Saül. 1 Samuel 16, verset 14. Et enfin, le, le fait que l'esprit descendait sur quelqu'un n'est pas forcément révélateur de son état spirituel. Le fait que cet esprit de descendre parce qu'on a regardé l'état David. Bon Dieu, pas de garder et spirituel, mon nom, mais on peut l'utiliser pour un tas spécial, dans un moment spécial, pour un peuple spécial. Combien de gens de ça, C'est le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et c'est ça, jusqu'à présent, nous, dans l'Ancien Testament, Joël parlait de ça. Et je dis encore, nous parlons dans l'acte chapitre 2, comment cet esprit descend. Dans le Nouveau Testament, l'esprit demain, pour toujours. Aujourd'hui, lorsque les, dans l'acte chapitre 2, dans, dans l'acte chapitre 10, nous prenons accomplissement promesse promesse qui est Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donna de s'exprimer. Et puis, dans verset 5 jusqu'au verset 9, là, il descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Quelle chance ah, right. a déjà Oui. Donc, qu'on ça fait un content. Dieu d'abord voulait cet esprit habiter parce que Jésus, qui était rentré dans la chair, il est faut le voyer au cou sur la terre, faut le quitter au consolateur. parce que c'est pas ça. ça mange et nous tous vivants. Dans l'esprit, c'est comme tout doué. Il n'y a pas un visiteur encore. Il n'y a pas un monde qui vient là pour aller. Mais encore... Chaque chrétien, ses résidences privées, Saint-Esprit, là matin. Combien de monde qui croit ça, matin? Nous, ces résidences privées, Saint-Esprit, là aussi nous devons marcher droit devant bon Dieu. Et mon Dieu qui vient joindre le Seigneur, bon Dieu est d'accord pour mettre Saint -Esprit -à sous Saint-Esprit sur vous. Allez dans Ephésiens chapitre 1, verset 13-14. The down payment. E chak moun ki vin jwen le seigne, e sak fe, yo di an nou pa bezwe met tatou pou nou fèk mette kwa tatou sou le stomak nou. Tout moun <totipation> wè tout bagay. Ou pa bezwe make tatou paske ou ge sin bonje. Eni grisali, this is the mark of the Holy Spirit. So, bon Dieu déjà pour qui ça? Pour le jour de la rédemption. grand pile a des sur de de cet esprit-là. Et dans le dernier temps, où il y a un problème? Et vous ceux qui ne pouvaient pas à la première résurrection? Et ça comprend, dans le passage, ça comprend que les gens ne doit pas en bonne. Chose. Et cependant, wap konen soute apsevi bonye tout bon. Amen non? Pa di wap mashak le senye ou konen. Ou ka di wap mashak le senye ou konen. Ou pa men wak konen. Ou pa men nan la kom nan men. Wow. Mese la pa Paul di nan Womens chapitou 8 verse 9. An ganyan. Womens. Turn your Bible in the book of Womens chapter 8 verse 9. Romains chapitre 8, verset 9. Son verset que m'aimé, mais ça le dit. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la marque du Saint-Esprit sur chaque croyant, c'est une marque d'identification au retour de Christ. Tout pa le monde so qui n'a pas le saut du Saint-Esprit sous vous. Ou pas fait partie de Christ-là. Ou pas pour Christ-là. Et Christ-là, pas connaître. Pourquoi l'église attendait samedi? Ou quand il y un tatou, on parle dans Jésus. Et puis la Bible dit, chrétien pas gagné dans Père Parce que c'est c'est temple cet esprit là. I want my young folks understand that today, you don't have to preach your body because your body is the temple of God. Gars onanzan aujourd'hui a. Quand on s'a dit, z'en on va faire pour personne. Non, c'est pas tradition qui fait forme de z'enon. Mais moi j'ai pas faire. Dites-moi qui m'ont dit faire non. moi, qui de faire bon Dieu, je ne vais pas faire un. Garçon dans un Première église, vive première église. Balon exemple. Où habite la worshipper? Amen, oui. Amen. Agen de position. Bon, maman, deux bagaille L'église pas qu'à quitter le monde à peu influencer. C'est nous pour influencer le monde. Amen. Depuis, on est grand dans l'église. Comment ça prend style le monde? C'est-à-dire Satan déjà gagne déjà. Garçon d'entrée, entrée toujours. Parce que, comme nous, l'église, son côté, l'homme est venu pour le transformer. Amen. Tout le monde doit venir dans l'église. Mais, et même j'ai cet esprit, mon Dieu, comment de bagaille Je dis, ah. Parce qu'en plus, le monde besoin, besoin de la mon Non. Jésus transforme la vie. Amen. Le Jésus transforme. Il faut qu'on commence pour, pour habiller. Il faut qu'on commence pour marcher. Il faut qu'on commence pour habiller. Il faut qu'on parler. Il faut qu'on pour marcher. Parce que la Bible, c'est pour cela. Est-ce que les gens ne sont pas sauver Ils ne sont pas sauver. Mais ou ne sont pas. Moi, même pasteur seul, chez suis en Je ne sais pas ce que l'église Pas seul, suis en Là, il a gâté. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. C'est l'église que lui est. L'église n'est pas qu'à ressemble avec le monde. L'église ressemble avec Jésus-Christ. Amen. Et cet esprit avec nous, nous, lui montrer nous comment vous nous conformez-nous. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et l'esprit bon Dieu, il le nous montre-nous. L'obgale nous dit, mais si je que Jésus, je ne suis comme ça. Amen. Oui. Mais l'obgale nous dit, mais moi, dit, wow. Amen. Oui. Moi, ne pas l'habiller encore aujourd'hui. Parce qu'en dehors, il y dans monde là Mais l'église, elle est habillée. Et moi, je toujours dans le monde. Depuis le fou, on va aller à la là. On va aller à la pour descendre. Ce n'est pas bon. C'est ça, me dit-il. Depuis le méton, on va à la pour descendre. n'est pas bon. Quand l'église est là. que des ralles ou pas qu'à venir l'église avec eux non pas non pas qu'aller dans shop tout avec eux pas vrai Elles sont chrétiennes, ou pas chrétiens seulement dans l'église mon secret tout pas tout amen ouais ouais hein et là mais un petit mon Dieu dès son lui lui transformer non transformés par le renouvellement c'est le travail du Saint-Esprit amen romains chapitre 12 là lui transformer la vie hier autrefois me comme ça yes avant hier me était comme ça, elle n'est pas semme était comme ça, mais jodi je a me je pas comme ça encore parce que moi c'est ce moun pas bon Dieu. Soul sur moi, moi c'est moun ka marcher vers le ciel. Je dis à moi moun pas veut métralde femme en moun qui non, dans gros gros missionnaire, il a marcher rade. Non, ou pas ca métralde pour y a regarder underwear. ou pas qu'à mettre rade pour mettre tellement serré. Non. On ou alors que ma chacune bonne journée, je vais garder pour garder, je vais ça pas pour moi. Amen, oui. Ça pas pour moi. Pendant que vous voyez, vous cherchez, vous dites ça pas pour moi. Amen. Ou ne comprendre pas ce que je vais dire. Gardez rade, on dit ça pas pour moi, vous voyez l'autre côté. Vous voyez l'autre côté, vous voyez l'autre côté, jusqu'à ce que je Amen. Parce que Chrétien a eu une Amen gens qui a servi bon Dieu qui servi dire que ça, sage mon qui pas servi bon on nous prêt pour nous dit nous avons ces choses. et transformation cet esprit il a pensé moi on sait pas seulement la parole mais comment pour me comporter comment pour me représenter Christ là amen parce que l'homme qui n'accepte Christ mais Christ je suis une réconcilié, me un ambassadeur Il y a des gens qui font ces postes, euh, sous. Chaque membre de l'église a besoin de garder qui mettez pour nous mettre sous. Profil, non pour mettre sous, sous. WhatsApp ou bien sous, sous Facebook. Ou pas qu'à pas petit Tout en bas, on ou pas dans le Et puis c'est postes ça on hein? prend. Profil ça. Quand l'église a là. Vous choisi, vous êtes une race élue et c'est cette race royale. Souvle ma chaque Saint-Esprit a. Souvle rester dans bon Dieu Il faut d'accord pour Saint-Esprit bon Dieu corriger

Moune pas besoin de encore parce que cet esprit a pensé Amen, oui. Parmi vous il dit, si vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, l'esprit a veillé sur moi. Amen. Il a marché avec fait Il a fait route pour Sion. Belle Sion. Pays. Alléluia. Un Dieu son bénisse soit l'éternel. Dieu sait cet esprit-là. On sait aime cet esprit. On sait aime cet esprit. Parce que Jodie a besoin de monde qui peut veiller. Regardez, Jodie me connaît depuis maman petite. Elle a toujours un sur sa petite fille. Parce qu'elle a des uniformes qu'on a à l'école. Elle est pour dans la chambre. Elle est l'église. Et puis elle est arrivée dans high school. Elle a leur uniforme. Let me say that in English. anglais. and father, sometimes. They watch closely the, the kid before they check their book bag before they go to school. Because you may see your daughter dress nicely at home. And when your daughter and your son come to church, they dress nicely. But they have a second cloth. And their book bag, when get, when they get into the school, they change. You might surprise to pay a visit at your school and you say, call my daughter. El <tries> ou ti bout shot. Sou piti tou wa. E bay sa ka for ou. E mam leg dis ki pa akon shem kon a biye nou. Amen. E pa bas ko ashte shè ki for mal a biye nou. Se sa zo ou pa kon sa zo. ou de samdi ya sewa pas wapak wakon nabie wach te rad wach te rad mwen 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 mwem mwen 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 a pral lwanyan epi do tou ni konon pral do tou ni konon pral do tou ni sew lwanyan ou pral lwanyan ou pa kavin lwanyan ou pa kavin lwanyan wot lwanyan la Je ne suis pas que l'église soit l'église, première église, pour après l'église, ce n'est pas va voir des cours et puis tout les bras ouverts. Non, c'est pour abrier bien. Amen. Même si je ne suis pas rien, mais, bon, le moment de ma sœur. Je ne suis pas qu'à avec elle. Amen, oui. Amen. Cet esprit, mon Dieu, doit être premier dans la vie pour être au contrôle. Dieu ne nous pas contrôler, mais la nous ressource nous, nous, la peine nous prend contrôle. de l'esprit dirigé. N'arrivez pas encore. Que bon Dieu bénisse au matin. Qu'il le bon grâce. Parce que c'est Dieu de grâce Et Il qu'il faut grâce le matin. Bon Dieu capable de préparer Soyez soit qu'il a un petit défaut qui, peut confiner, qui peut -Esprit pour confiner au manque le Saint-Esprit pour le contrôler la vie. Amen. Parce qu'il a changé. Vous. Puissance. Il a fait. Vous. oh

un chemin là dans est en pile piquant c'est ça on inspire auteur là guide la nous si nous voulons faire ce chemin ça C'est bien nous remercions merci pour parole merci pour troisième personne de la trinité que nous avons l'occasion pour commencer et nous aussi un certain pour approvisionner les autres prédicateurs et permettre nous connaître de fond en comble qui est le Saint-Esprit, comment en ben, il était agi dans l'Ancien Testament et comment il agit dans le Nouveau Testament, comment prophétie te prophétie était bâillée dans l'Ancien Testament et comment il a accompli dans le Nouveau Testament. Nous voulons faire volonté, mais on va voir un consolateur, à savoir le paraclète, le consolateur, l'avocat. Puisque Jésus n'est plus sur cette terre mais il intercède auprès du Père auprès du Père, il est à la droite de Dieu. Il a intercédé pour nous. Et même dans Romains 8 verset 26 27 dit même parfois dans demande de prier nous cet esprit a intercédé pour nous. Seigneur matin, nous moment, après-midi ça pas bénir assemblée. Fait que grâce vous répandre sur nous. Et l'Église est capable toujours rester vivant et marcher. Non dans la tristesse, mais dans la joie. Et non seulement l'esprit est avec nous, mais le produit en nous. Selon Galates 5, verset 22. Nous prions au nom de Jésus. alléluia soit la gloire, la puissance honneur au, au siècle des siècles. Amen.